Le 13 mai 2006, à l'issue de la dernière journée contre Nice, Frédéric Adam tirait un trait définitif sur son histoire avec le club troyen en quittant le club après 8 années de bons et loyaux services. Une carrière qu'il a prolongée de 2 ans sous les couleurs du FC Guignan avant de définitivement prendre sa retraite. Ça a été une décision que j'ai prise fermement au mois de juin, mais j'y pensais déjà depuis quelques semaines, puisque et sportivement et physiquement, j'ai beaucoup souffert, entre guillemets, la saison dernière à Guignan. Donc je crois que c'était le moment de mettre un terme à cette fabuleuse aventure que j'ai vécue pendant 15 ans. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle se termine autrement, mais bon, voilà, hein, si c'était bien terminé, j'aurais pas raccroché non plus. Donc en général, les carrières de sportifs se terminent toujours moyennement. Une retraite sportive qu'il a choisi de vivre à Troyes, et plus précisément à Saint-Pard-au-Tertre, car Fred doit bien l'avouer, il désirait plus que tout revenir dans l'Aube. Même si, pour l'instant, l'ancien joueur de l'Estac ne sait pas encore quelle reconversion entreprendre. Je ne vais pas rester les bras croisés, déjà que là ça commence à me démanger, j'ai envie de voir autre chose. Et puis bon, je vais profiter des mois qui viennent pour explorer plein de domaines, et puis voir où est-ce que je peux m'éclater, me rendre utile, et puis on verra quoi. S'il est revenu à Troyes, ce n'est certainement pas pour l'Estac qui avait souhaité son départ à l'issue de la saison 2005-2006. Fred Adam est d'ailleurs encore un peu amer lorsqu'il s'agit d'évoquer cette histoire. On m'a obligé à partir, c'est vrai que ça a été un crève-cœur. J'ai vécu une période, moi et ma famille, assez douloureuse il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Mais bon, voilà, j'ai prolongé ma carrière de 2 ans à Guignan. Moi, je voulais jouer encore. Visiblement, ici, on ne pensait pas que j'en étais capable. Voilà, après, c'est le sport, hein. Ça n'arrive pas qu'à moi. C'est vrai que j'espérais, et puis je pense que j'aurais mérité un autre traitement, vu ce que j'avais rendu au club. J'ai quand même été j'étais fidèle. J'ai eu aussi un retour en contrepartie, hein. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Mais j'aurais aimé rester ici, finir ma carrière ici, c'est clair. En attendant de réfléchir à son avenir professionnel, Fred entend bien respecter le défi qu'il s'était lancé il y a bien longtemps, courir un marathon. Ce sera chose faite le 9 novembre prochain, avec 42 km entre Nice et Cannes.